Maître ZBU, JFB 225, et légende, 225-08-200, voilà, 225-08-200. Madame la greffière, est-ce qu'on avait déjà des messages, vous avez retenu quelques messages ou bien il y a quelque chose qui a retenu votre attention? Oui, il y a quelqu'un qui demandait si vous aimez vos pieds, alors je sais pas. Ah oui, j'adore mes pieds. Non, ils ont tendance à dire oui, elle est X, elle est... Ouais. Si je les aimais pas, j'allais jamais mettre de shorts, j'allais jamais mettre de jeans, j'allais jamais mettre de petites robes. Ouais. Moi, vos complexes à la con, je les ai pas, c'est vous. C'est vous qui voyez des complexes concernant mon corps. Moi, j'adore mon corps. Mmh. C'est pour ça que j'arrive à me mettre sexy tout le temps et c'est ce qui les énerve. En fait. C'est cela. Oh, ouais, j'imagine. En tout cas, même X ou pas, nous, on adore. Mais 200, X, I am. Allô, bonjour. Allô. Ouais, bonjour, bonjour, maître. On vous appelle comment? C'est Ivan Choco le Mignon. Maître Ivan Choco le Mignon. Vous nous appelez de quel cours? Ben, il vous appelle de la 7e tranche. De la 7e tranche. Bon, essayez de choquer un peu. Allez-y, vous vous accusez ou vous défendez. Bah moi, je défends toujours Emma Louette. Hein. D'accord, oh, merci. Merci, le frère, merci. Parce que Emma Louette, vraiment, moi, je l'apprécie beaucoup. D'accord. Merci. Vous l'appréciez. Je l'aime beaucoup, même, en fait. Ah. Ah. Dites-nous, vous êtes fin ou bien vous l'aimez d'un amour agapé? Moi, je l'ai déjà vu beaucoup de fois, plusieurs fois, je l'ai vu. On a tiré même une photo, tout ça. Vraiment, c'est une femme. C'est une femme. Merci d'accord, beaucoup. D'accord. Bon, quand les gars la jalousent, ça me fait très mal parce qu'elle ne mérite pas d'être jalousée, en fait. D'accord. Voilà. Quand vous dites que non, elle met les faux seins, les trucs. Bon, nous, on aime ça comme ça parce que c'est une fierté pour nous. Ouais, ouais. Dire, tu es béni depuis ta non, position. Non, c'est une question qu'on lui a posée. Non, monsieur le. Et puis, j'aimerais que. Laissez-le pour que façon de travailler. Merci. Oui, oui, allez-y, maître Ivan. J'aimerais que mon numéro qu'elle m'appelle, les gens me saluent, au fait. Ouais, mon numéro, j'aimerais qu'elle prenne ça pour me saluer. Bon, envoyez ça en inbox de la page Facebook de Trace. Voilà, vous mettez, c'est mon numéro. Voilà. Oh, ok. Vous formez un bon i avec Emma Lolo. Non, ben, il n'y a pas de problème. D'accord. Je vous dis que vraiment, la photo que j'ai tirée, ça m'a fait des gemmes. Hein. Ah, il prend les points, ça, au Cathy. D'accord. Au calme, merci chérie, bisous, bisous. Okay, allez, okay, au revoir, bonne journée, okay, maître. Okay. Alors, monsieur, une petite question, oui. Maître, puisque vous connaissez bien la vie de votre cliente, oui. on me demande de vous poser la question suivante, est-ce qu'elle sait faire la tiquée? Emma Louest. Ah, bon, Adjou Crew. Non, Emma Louest, en fait, la tiquée, il y a plusieurs manières de faire la tiquée. Il y a les petits grains. Après les petits grains, il y a les gros grains. Après les gros grains, il y a les demi-grains, moitié semi-grains. D'accord. Alors, donc, Emma Louest, elle a dit, la spécialité, c'est la boujama. La Bojama, là, quand elle fait ça, là, ouais. Et puis elle a une manière de faire, puis elle ne respire pas. Très bien, on va partir pour un autre appelant. 225-08-200, allô, bonjour, maître. Allô? Oui, allô, bonjour. Oui, bonjour, maître, on vous appelle comment? Léla Quadio. Maître Quadio, vous nous appelez de quel cours? J'appelle des deux plateaux. Des deux plateaux, allez-y, vous accusez ou vous défendez? Moi, je pense que je vais accuser. D'accord, allez-y. Voilà. Tout à l'heure, je viens d'apprendre que Emma Louis, il s'appelle Jésus. Mm-hmm. Voilà, il y a Jésus qui figure dans son nom. Ouais. Et là, elle vient de l'avouer tout à l'heure qu'elle a eu à changer ses seins et autres. Mm-hmm. Voilà. Donc, pour cela, je pense que je dois l'accuser, en fait. Je veux lui demander pourquoi est-ce que... Monsieur le juge, il termine, okay. Maître, s'il vous plaît. Comme il rit déjà. Ouais, calmez, on va poser question là. Oui, on va écouter... Il est très rire. Monsieur le juge, voilà. Avant que ma cliente... Non, rapidement, objection, voilà. Rejeté, oui, allez-y. Ok. En fait, j'aimerais savoir si elle est chrétienne ou pas, et pour le nom Jésus, je ne sais pas, je suis chrétienne. Okay. Voilà, croyante, yes. Pratiquante, baptisée, confirmée. Et je suis désolée, mais le fait de changer mon corps ne change en rien ma foi ou le fait que Dieu agisse en temps réel dans ma vie, en fait. Je suis désolée, c'est vous les hommes qui voyez les choses de cette manière. Je ne pense pas que Dieu voyait les choses comme vous. Donc, Maître Quadio, c'est bon? Ah, c'est bon. D'accord, merci, oui. Bisous, Maître Quadio. D'accord, oui, Maître, oui, il y a votre collègue, Maître Zébéyou. J'aime beaucoup Emma Louest. D'accord, elle vous aime aussi. Voilà, je l'apprécie beaucoup, c'était juste comme merci. C'était une émission et autres, voilà, donc... le président, ça mal, quoi. Non, pas du tout. D'accord, ça marche. Okay, merci, Monsieur le juge. Bisous. Alors, Monsieur le juge. Oui. Procureur. Deuxième question. Oui. On va parler du coronavirus. Ah, sur le fameux anniversaire. Okay. Voilà, allons-y.
qu'est-ce qui t'a poussé à faire cet anniversaire en pleine crise du Covid-19? Première question. À la base, je ne devais pas faire un anniversaire. Mais je n'ai pas envie de citer de nom. Le truc, c'est que j'étais tranquillement chez mon oncle, en famille. Et j'ai des amis qui sont venus et qui m'ont dit, bon, on t'a qu'à faire un truc vite fait et tout. J'ai dit, OK. En fait, ce que vous avez vu là, déco et tout, ça s'est fait en moins de 2 heures, en fait. Ça s'est passé très rapidement. C'est un anniversaire surprise, au fait. Rapidement. Voilà, voilà, rapidement. Et le truc, c'est que à la porte, il y avait le truc là pour laver les mains. La plupart des invités avaient un masque. J'ai même les photos. Il y avait le médecin de la famille qui avait envoyé quelqu'un pour prendre la température. On a pensé à tout ça. Mais je pense, franchement, que c'était quelque chose qui était prémédité. Je m'explique. Dans le sens où, moi, chez mon oncle, là, si on t'indique pas là-bas, tu peux pas arriver là-bas. C'est tellement caché que si on n'indique pas une personne, la personne ne peut pas arriver là-bas, en fait. Donc, est-ce que vous vous rendez compte qu'arrivé à un moment, les invités, ils partent. Ils partent aux environs de 21h30, 22h, ils partent. On est là et un cargo de policiers qui débarque jusque dans la cour. On est choqués. Comment vous faites pour connaître la maison? On est là et 3 fois, la police passe nous visiter. Donc, quand ils rentrent, ils se rendent compte que, ouais, tout le monde est parti. Là, on est en groupe restreint en train de s'éclater. Il n'y a pas de souci. Donc, moi, je me dis, OK, bon, si la police est arrivée jusque-là, c'est eux, la loi. Si ça, ils voient qu'il n'y a rien du tout, il n'y a pas de souci. Je rentre chez moi le lendemain, je reçois un message. J'ai oublié le nom du commissaire. Maître Meyou, on va dire. Voilà, qui me dit, oui, il faut que je rappelle et que... comment on appelle l'endroit là où on m'a convoqué, la police là. On va dire un arrondissement de l'arrondissement. Un arrondissement et tout. Je dis OK. Donc quand je demande s'il y a un problème, on me dit non, ils veulent juste m'écouter. Je dis OK. Donc quand j'arrive, je me rends compte que c'est de ça qu'il s'agit. Donc je suis stupéfaite. Parce que je me rappelle bien qu'il y a des policiers qui sont passés et tout. Mais avec du recul... Quand je parle avec ça et là, les gens de là-bas, je me rends compte que c'est quelqu'un qui leur a fait savoir que voilà, il est en train de faire anniversaire, donc faites ci, faites ça. C'est ça. Arrête un moment. Il y a une main obscure, au fait. Voilà. Donc, on va jusque au procès. Soi-disant. Là, ça m'a fait parce que j'arrive pour la première fois dans une cour. Donc, tu vois, d'habitude, c'est à la télé que tu vois ça. C'est ça, ouais. Les statues là sont arrêtées comme ça. J'ai dit, c'est anniversaire. Je suis venu faire quoi ici? Il y a mon voix ici, là. Donc, je suis là et puis on me dit, accusé, levez-vous. Et voilà. Comme aujourd'hui. C'est ça. Donc, voilà, j'ai rencontré les procureurs, le procureur et les dames juges qui étaient là, qui m'ont donné des conseils, qui m'ont dit, voilà, tu as un exemple, donc vraiment, il faut faire attention à ce que tu fais. Et j'ai eu ce qu'il fallait, 2 millions d'amendes. C'est qui ont été payés, tu as payé tranquillement? Non. Non, d'accord. T'as pas payé? Non. Pourquoi? Mais elle dit la vérité, elle n'a pas menti ici. On pose la question à la cliente. Toi, tu réponds. Maître Zebeyou, calmez-vous, s'il d'accord, vous plaît. Sinon, je vais vous retirer la tenue. D'accord, Monsieur le procureur, on va marquer une pause. Voilà, permettre donc à notre accusé de se désaltérer. Madame la greffière, est-ce qu'il y a des messages là-bas déjà, quelques-uns? Mais là, j'étais vraiment en train d'écrire tout ce qui se disait. Ouais. Donc, du coup, j'ai pas suivi les messages, pardon. D'accord. Donc, vous avez le temps de suivre les messages de l'instant de la pause. On se retrouve dans quelques instants. Nous sommes déjà à plus de 4000 sur la page Facebook de Trace Côte d'Ivoire. Il n'y a qu'avec Emma Lolo qu'on peut faire ces chiffres-là. Voilà. Et ça va monter encore. Accusé, levez-vous tous les samedis de 10h à midi sur Trace. Accusé, levez-vous. Vous avez été déclaré coupable. Accusé, levez-vous. L'heure est arrivée de passer à la barre. Nous sommes de retour. Voilà.
très belle ambiance en tout cas dans cette cour-là. 11h passées de, on va dire, 20 minutes. Je suis en compagnie donc de Maître Zebeyou JMB, de la greffière Caprice, de Natsuka, Natsuki, pardon, Bravador, qui n'est autre que Monsieur le Procureur. Merci infiniment. Et puis donc de la très 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 belle et très célèbre, notre très chère Emma Louès. Voilà, Emma Lolo, ça là, tu vois, ça. Yeah. Allez. Monsieur le juge, on peut passer aux questions. Oui, mais avant de passer aux questions, j'ai un beau message ici. Emma, en plus de ta télé-réalité, pourquoi ne pas faire des émissions où tu aides des gens à se relooker? Ah ouais, si, on m'a plusieurs fois dit de faire ça. Donc, ouais. Ok. Pourquoi d'accord, pas. Ok, ça marche. Ouais. Allez, produisez et puis elle va le faire, il n'y a pas de souci. Monsieur le procureur, oui, on part pour le prochain chef d'accusation. Suite à ta sortie désastreuse, en pleine crise du coronavirus, tu nous as tous choqués. On était vraiment... Enfin bref. En ce moment, on te voit beaucoup en train de faire des dons. Est-ce une stratégie marketing pour te racheter ou bien est-ce que Emma Lowest, dans son fond et âme, est un grand cœur? Okay. C'est ça la question. Déjà, Emma Lowest a toujours fait des dons. C'est pas la première fois. C'est pas. Et ça ne date pas de maintenant, depuis des années en fait. Ceux qui me suivaient depuis savent très bien. Ouais. Mais je n'avais jamais pris l'habitude d'exposer ça parce que voilà, ce que la main droite donne, la main gauche ne va pas savoir. D'où ma question. Mais, pourquoi en ce moment. Voilà. Mais. Bien sûr. Mais. Oui. Voilà. C'est le corona qui a fait que tu étais racheté ou même bien pas. En fait, vraiment. Ah, l'AXA a changé. Non, vraiment. L'AXA, elle se comprend plus dans les terminations. Moi-même, là, je suis quelqu'un, mais. Non, elle est comme ça, au fait. Moi, je n'ai pas dit bâton dans mon cul. Hein. Moi, je suis là, je suis comme ça. Yeah. Mais. Quand j'ai décidé de créer ma fondation, Crush et Madone du cœur, j'ai des grands frères qui m'ont fait savoir que donc il va falloir que finalement, que tu le veuilles ou non, que tu commences à montrer ce que tu fais en fait. Donc ça me gênait un peu, j'avoue, mais je me suis dit bon, ok, allons-y. Donc c'est comme ça que les gens ont commencé à voir petit à petit les dons que je faisais ça et là. Mais ce n'est en rien une stratégie parce que je ne cherche même pas à me faire aimer ou bien je ne cherche même pas à justifier mon acte. Anniversaire d'ailleurs fait, c'était doux. Le reste là est venu, c'est fini. De faire quoi encore? Le reste everywhere you go. Ouais, monsieur, maître Zebeyou JMB, avocat de Emma. Monsieur le juge, oui. Moi c'est pas l'anniversaire même qui m'intrigue. C'est pas l'anniversaire qui m'intrigue. Mais c'est le gougnon qui se cache. Il se prend le couloir, il tourne à gauche, à droite, et puis ça dit aux policiers, aux gendarmes, que voici. Le sorcier. Ah, sorcier, voilà. D'accord, ok. Le gougnon là, c'est le gougnon là. Gougnon, ça veut dire non, sorcier. Non, à ce moment-là, mon beau grand père n'était pas dans sa vie. Elle était avec une amie à nous. Je vais taire son nom aussi parce que son mari est très connu. Donc, quand elle est partie, les policiers les ont arrêtés. D'accord. Après, ils ont eu une panne de voiture. Et les policiers ont demandé, oui, vous venez d'où et tout, Elles n'ont pas dit parce qu'elles n'ont pas voulu dire d'où elles venaient. Ouais. Donc, quand j'arrive à la police, on me dit, c'est Doxy qui t'a vendu, c'est Doxy qui a dit, voilà, où tu... Non. Pendant que la fille même... Venez chez moi, dans le coin, là, même là. Elle connaît pas la route. C'était compliqué, ouais. Voilà. Donc, je me suis dit, mais là, il y a un souci. Donc, après, quand j'ai Doxy au téléphone, elle me dit que c'est moi. On dit que c'est moi, j'ai donné son numéro et le numéro de tous les autres qu'ils ont convoqués pour les convoquer. Donc, ça veut dire qu'il y a Anguille sous roche. Anguille sous roche. D'accord. Est-ce Grand P, est-ce Edoxi Yao, l'avenir nous le dira dans, voilà. Oui. Ouais, j'avais pas fini, en fait. Donc, monsieur le juge. Oui. Monsieur le juge. Donc, comme je le disais tout à l'heure, moi, c'est pas l'anniversaire. C'est vrai, je sais que vous êtes... C'est pas l'anniversaire, mais au fait, le problème, c'est quoi? C'est-à-dire, le cougnon, là. Le, qui se cache, et puis dit aux policiers, attends, quelqu'un qui a un an de plus. Au contraire! Dieu a donné le souffle de vie pour qu'il dise, ma fille, vis encore. Même la longévité. Tu dois être heureux. Mais comment est-ce que tu prends la police, la gendarmerie, et puis t'as dit... La police, pas la police. Ouais. Non, la police, la gendarmerie, et puis même la douane. Gendarmerie. C'est pas gendarmerie. Tu comprends? Laissez mon élément, y'a quoi? Non, je suis énervé même. J'ai dit même eau et forêt. Eau et forêt était devant le portail de Emma Lewis. Eau et forêt. Avez-vous les preuves, ce que vous dites? Hein? Avez-vous les preuves?
J'ai la preuve. Montre-moi les preuves là. J'ai la preuve. Montre-moi les preuves que les eaux et forêts étaient devant le portail. Monsieur le juge. Oui. C'est passé, il y a des choses que je ne vais pas montrer ici. Non, non, allez-y, montrez-nous. Montre. J'ai une image ici dans mon téléphone qu'il y avait eau et forêt. Montre. Faut pas montrer. D'accord. Attends, Emma, est-ce qu'il faut que je montre? Tu parles bien, mais tu parles pas fort. Non, mais attends. Si elle parlait pas fort là, il n'allait pas montrer l'image. Mais montre l'image. Il montre pas. Il montre pas, d'accord. Voilà. Mathieu Bayou, vous avez le temps après de réfléchir donc sur votre plaidoyer. Monsieur le procureur, allez-y. Oui. J'ai encore de nombreuses questions. Allez-y. Allons-y. On t'attend. Emma Lowell, c'est ses amitiés. Quand je te dis Seridier, c'est quoi tes relations avec Seridier? Oh, c'est mon grand frère chéri. Bien sûr, les amis. Ah oui. D'accord. C'est mon grand frère chéri. On peut plus avoir famille à Abidjan. Laissez-moi poser mes questions, monsieur. Calmez-vous, l'avocat. Calmez-vous. D'accord. Quand je te dis José, mon ex-petite sœur. Pourquoi? Qu'est-ce qui n'a pas marché dans la relation? Tout simplement parce que je suis quelqu'un de vrai. D'accord. Voilà, dans mes relations, soit je suis avec toi, soit je ne suis pas avec toi. Mais je ne peux pas être avec toi à 100%, te soutenir contre vents et marées. Et puis un matin, il me réveille et puis entend que c'est toi qui craches sur moi. Je ne vais même pas t'appeler pour te demander. Ouais. Tu n'existes plus, tout simplement. C'est ça. D'accord. Et si je te dis biscuit de mer? Biscuit. On ne se connaît pas plus que ça. C'est vrai, il y a eu des clashs, ça et là. On s'est rencontrés là quand on a fait le... Mais pourquoi vous vous êtes clashés en fait? Pour rien. Franchement, j'avoue que je me suis levé un matin puis on me dit, biscuit de même me clash. J'ai dit, c'est qui? Je m'en vais regarder. J'ai dit, aïe. Bon. Je lui ai fait quoi? Je ne comprends pas. Et ensuite? Donc ensuite, ça continue, ça renchérit. Donc un jour, ça m'énerve, donc je réponds. Voilà, c'est tout. Mais sinon, à part ça, on n'a pas vraiment de problème, quoi. Ouais. Donc, voilà. D'accord. Je ne sais pas d'où c'est. Voilà. Monsieur le procureur, excusez-moi, il y a une question peut-être que vous avez oubliée. C'était de savoir si vraiment l'opère d'Aloa était à Non. Il était voilà. Mais mes fans ne sont pas bons, hein. Ils m'ont écrit pour me dire. Merci de me l'avoir notifié. Ils m'ont écrit pour me dire oui. La mère, faut dire que le père dans l'eau était là. Il dit pardonnez, laissez le monsieur là-bas, franchement. Il a trop de problèmes. Hey. Ensuite, si je te dis Nathalie quoi? Oh oui, Nathalie, c'est ma doudou. On a de très très bons rapports. Voilà, c'est ma doudou. Maintenant, j'ai un nom qui va ressortir, qui va peut-être te choquer. Ah bon? Quand je te dis Carmen, qu'est-ce que. C'est ma petite sœur. Oui, c'est ma petite sœur. Carmen, ça va, on veut dire. Voilà, 225 ans, 1200. Et Ozoa. Ozoa, c'est ma fille, Ozoa, c'est ma petite sœur. Donc, je comprends bien, tu as de bonnes relations avec Carmen jusqu'en ce moment. Oui, on a de très bons rapports. D'accord. Monsieur le procureur, si vous permettez, on va prendre un autre maître en direct. Allô, bonjour. Allô, bonjour. Bonjour, maître, on vous appelle comment? Apoutchou. Apoutchou, d'accord. Apoutchou national, c'est cela? Oui. D'accord. C'est pas le Apoutchou national. Ah, c'est pas Apoutchou. C'est Apoutchou de Emma. Donc, vous, c'est Apoutchou. D'accord, ok. Apoutchou, vous vous appelez de quel nom? Moi, Apoutchou. Apoutchou de Emma, voilà. Vous appelez elle connaît. Mais vous appelez de quelle ville? S'il vous plaît, monsieur, on ne touche pas une bouteille de champagne, on ne la secoue pas, sinon après, ça part en vrille. Voilà, ça va aller en vrille. Déposez dedans. Quand vous ne connaissez pas, laissez. Oui, allez-y, vous accusez ou vous défendez? Non, il défend. C'est mon Apoutchou. D'accord, vous l'accusez pourquoi? Allez-y, je vous écoute, oui. Moi, il la défend par rapport à l'anniversaire, en fait. Oui, d'accord. Parce que pendant cette période, il y a beaucoup de personnes qui ont fait des fêtes et tout. Il y avait beaucoup d'anniversaires, mais pourquoi je suis pour Emma là? Ils sont attardés, elles ont envoyé jusqu'au procès et tout. Tu es vraiment mon baby. Ouais, je pense que récemment, on avait même fait aussi l'anniversaire de Moula après c'est passé. Vraiment? Oui, avant pour moi là, il y a eu les loups chauds. Il y a eu les pour les loups chauds. Dans les boîtes même, c'était gâté. C'est pour Yo-Yo et ma Yo-Yo là. Vraiment? Il a dit que UDM. On n'aime pas ça. Sinon, c'est pas ça, c'est quoi? D'accord, donc Apoutchou, c'était juste pour ça. Hein? Ouais, c'était juste pour défendre merci, ma femme. Merci, bébé. D'accord. Bisous, mon cœur. À tout à l'heure, mon amour. Ok, merci infiniment. Alors là, je reçois un message du boss du coupé décalé qui dit, et je cite, « Faut dire à Emma que je dis pourquoi elle aime froisser son nez quand son cœur commence à devenir chaud. Ouais. » Yeah, Moi, il a couché où même puis là. Je sais pas, mais moi. Je n'aime pas. Allez, on va prendre un autre appel encore. 225 08 200. Allô. Allô. À lui. Oui, allô, bonjour. Oui, bonjour maître, on vous appelle comment? Moi c'est Hugues Lucas. Maître Hugues Lucas, vous nous appelez de quel cours? J'appelle de France, du 93. D'accord, dans le 93. Ok, wesh. Allez, on vous écoute, vous accusez ou défendez Emma?
Bah, je défends. D'accord, ah, défendez. Voilà. Ouais. Bah, en fait, je défends Emma sur tous les plans. Ouais. Et aussi, ouais. Je la félicite. Ouais. Elle vous félicite tout, aussi, ouais. Voilà, pour tout ce qu'elle fait. C'est-à-dire, ouais. Ce qui me plaît beaucoup chez elle, c'est que elle se met jamais en colère. Ouais. Merci, Chuchu. Voilà, et surtout sur les RS, tu vas jamais voir Emma en colère. Et puis ouais. Voilà. Ouais. Maintenant, il y a une question que moi, j'aimerais poser direct à Emma. D'accord. C'est quoi le souci avec Poupette ou bien quoi, je sais pas. Ah non, oui, je vois que les gens se débattent un peu sur les réseaux concernant ma petite sœur Poupette. Il n'y a aucun problème. C'est ça. Voilà. Ils sont juste stressés parce qu'ils estiment que je devrais afficher le bébé de Poupette. Ouais, ouais. Ta, 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 ta. Et quand je ne le fais pas, ils se disent, oui, elle est dans pas là. Ils ont des problèmes, c'est aussi simple que ça. Ouais, Poupette et moi, on se parle, ça va très bien. J'ai eu dire qu'ils disent que oui, Poupette est sortie, mon gars, attends, quand même. Arrive un moment, faut arrêter. Non, il n'y a pas qui arrive un moment, faut, voilà. C'est pas, je comprends pas. C'est ma petite sœur aussi, c'est mon bébé. Et jamais, quoi. Il n'y a jamais eu ça. En fait, je ne sais pas où ils sont allés chercher ça, en fait. Ouais. En fait, voilà. Leur seul problème, c'est que oui, ils m'ont pas vu à l'hôpital, patati patata. Mais je suis désolée, on n'est pas. Il faudrait que les gens comprennent que ce n'est pas parce que. Attendez, deux minutes. Ouais, deux minutes, on lui sert du Laurent Perrier, s'il vous plaît. Voilà, elle boit un peu. Top. Non, chérie, je te disais, faut que les gens comprennent que ce n'est pas parce que on ne met pas des trucs sur le net que ça n'a pas lieu. Ok. Voilà. Donc, Poupette et moi, il n'y a aucun problème. Ok, cool. En tout cas, moi je te souhaite tout le bonheur du monde. Et puis voilà. Reste toujours merci, celle que tu es. Merci, chérie. Et puis, vraiment, bisous à toi. Ça marche, merci. Allez, au revoir à Poutou. Oui, monsieur le procureur. Moi, je pense que les personnes qui appellent sont amoureux d'Emma Louis. Amoureuse, je préfère les personnes. Ils ont peur de lui dire la vérité. Amoureuse. Ils ont peur. Tout le monde appelle, je t'aime, Emma Lolo. C'est comme si, c'est comme ça. Non, dis-toi la vérité. Monsieur le juge. Abidjan ici là. Attendez. Il a dit, je vous ai déjà dit, je n'ai pas d'ennemi. C'est ça. Abidjan ici là. Même Jésus a eu un ennemi. J'ai dit. Il est revenu, mais voilà. Il a eu un ennemi, il est parti. Voilà. Il est revenu. Jésus, il a dit que je n'ai pas d'ennemis. D'accord. J'ai des fans refoulés. D'accord. Qui aime voilà. Sinon, ils sont là, on t'aime pas. On t'aime pas quand ils me voient là. Photo. Ça change. Ouais. Donc vous êtes ennemis comment? Il y a la plupart du temps là. Attendez. Ceux qui sont fâchés dans mon affaire là, c'est parce qu'ils ont juste l'impression. Tu sais, le fait de penser que quelqu'un est inaccessible. Et tout te met en colère inutilement. Quand tu vois la personne, tu es là, toi seul, tu trembles, tu as froid, tu as chaud. Mais là, pendant que tu es en train de trembler, tu as froid, tu as chaud. Là. La personne ne te connaît pas. Donc, quand la personne passe comme ça, toi, tu meurs. Mais quand il regarde comme ça, quand il te voit, quand il sourit, tu souris pourquoi? C'est parce qu'en réalité, tu es fort. Mais, tu ne sais pas comment exprimer. Il n'y a pas ennemi. Elles n'ont qu'à laisser toutes. Elles tous. Juste des fans refoulés. D'accord. Ok. Maître Zébeyou, oui. Monsieur le juge. Oui, oui. Pour rien comme ça, on t'est jalouse. Pour rien comme ça. Nous ne sommes pas dans un studio dans le enregistrement. Et pour rien comme ça. Monsieur l'avocat, nous ne sommes pas dans un studio d'enregistrement. Monsieur le juge. Monsieur le juge. Veuillez aller à l'essentiel. Je suis surpris que quand tu es la lumière, tu es détesté par les ténèbres. Parce que Emma Loa, c'est un grand cœur. Et puis elle est aimée. Moi, ce qui me surprend même là. T'as dit. Celui qui est à côté de ma cliente là, c'est le monsieur le procureur, s'il te plaît. Est-ce que c'est pas lui qui s'est caché la nuit pour aller dire aux douaniers et aux forêts là qu'il s'est chié mal ou est-ce ça? Il termine, s'il vous plaît. Il est suspect. Parce que c'est pas possible. On t'a envoyé pour venir faire un travail. Ouais. Dont tes chefs d'accusation ont quitté ici. Mais c'est ce qu'il fait en fait. C'est ce qu'il fait. Mais c'est ce qu'il est en train de faire. Mais il n'a qu'à bien faire. D'accord. Mais pourquoi il dit que c'est Jésus? Mais Jésus. Voilà Jésus qui est revenu. Il n'a quel problème? On ne te parle de Jésus, quoi, si Yobo est allé au vaisseau plateau. Parle de ça? Alors. Dites-moi, vous êtes pasteur. D'accord, ok. Allez. Très bien, oui. Voilà. Monsieur le procureur. Nous revenons à l'essentiel. Emma Loès. Oui, oui. Le délire avec Carmen. C'était quoi le projet? Sachant que. Quel délire? Je veux dire, la danse, la vidéo. Le twerk. Non, je vous explique. Non, on s'est éclaté. C'est quelqu'un qui a filmé. J'en viens. Ouais. J'en viens. Laissez-moi finir. Venez vite. Venez Moi, cette émission-là me plaît beaucoup. Parce que je vais vous parler. Sachant que Carmen a perdu
son copain. Oui, et après, on va en train de trinquer et en train de boire du champagne et tout. Oui, c'était quoi le projet? Qu'est-ce qui vous a animé? Quel esprit de danse vous a animé en dansant, en twerkant et en filmant et en partageant? Si vous vous rappelez, si vous vous souvenez très bien, ouais. La vidéo ne vient pas de mon portable. Mm-hmm. Ouais. C'est quelqu'un qui est assis en face. Un autre gougnon encore. Il nous a filmé. D'accord. D'accord. Tout ça pour dire que, en fait, les gens, ils voulaient juste créer ce qu'ils voulaient créer. En buzz, ouais. Moi, je suis désolée, hein. Je ne suis personne pour juger X ou Y. Mm-hmm. Carmen a sa manière de gérer son deuil. Ouais. Ça ne veut pas dire qu'elle pleure pas. C'est ça. Moi, j'ai été avec elle un moment. Mm-hmm. J'ai vu ce qu'elle a pu vivre ou traverser. C'est difficile. Si moi-même, il était pas le gars, puis il était en train de mourir, là. C'est pas Carmen qui va pas être en train de mourir. C'est ça. Mais je veux dire que elle a sa manière de gérer les choses après. Mm-hmm. Voilà. Donc, on peut être là en train de causer, de rigoler, de boire, de danser. Et puis la minute qui suit, tu pleures. Mm-hmm. Ça arrive à tout le monde. Ouais. Voilà. Mais les gens cherchent toujours la faille quelque part. C'est là qu'ils sont assis, puis ils ont filmé, puis ils ont mis sur le net. Mm-hmm. Sinon, pourquoi vous voulez que je l'expose? Je gagne quoi? Moi, je comme ils répondent. Mm-hmm. Quand j'expose Carmen à la vindique populaire, là, moi et Malouès, là, ça rajoute quoi dans mon compte en banque? Mm-hmm. Ça rajoute quoi dans ma beauté? Ça me donne quoi? Je pense qu'il répondait en même temps en commentaire. Oui, parce que j'ai besoin qu'ils me disent. Parce que j'ai eu dire que oui, elle t'expose, elle veut te descendre. Mais les gens sont teubés. Si vous vous faites des stratagèmes pour pouvoir descendre les gens, moi, je te descends. Ouais. Et c'est pas faux. C'est pas, je passe pas derrière. Mm-hmm. Si je te descends copieusement, il reste loin de toi, puis il fait ça pour te donner. Est-ce qu'il y a besoin de me rapprocher de toi pour te descendre? Mm. Les gens sont trop faits. C'est parce qu'ils sont mauvais eux-mêmes. Comme ils sont mauvais, ils pensent que ce qu'eux, ils font, les autres le font. Bah non, on n'est pas comme vous. D'accord. Comme quoi, il y a un adage qui dit que lorsque les gens n'arrivent pas à se rapprocher de vous, ils vous inventent une vie. Ah. C'est ça. Monsieur le procureur. J'ai encore une autre question qui me taraude l'esprit. Wow. Je suis le procureur après tout. Applaudissez pour moi un peu. C'est mon travail. Allez-y. Parlons de Ozoa. Ouais. Oui. Aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui se racontent. Mm-hmm. On le voit plutôt comme ta repérette et comme ton employé. Mm-hmm. Quelles sont tes véritables relations actuellement avec Ozoa? Actuellement, elle est assise là même. Voilà. Posez-lui la question. moi, je comprends les gens. Hein. Franchement. Je comprends ceux qui disent oui, Ozoa est sa repéro, Ozoa est sa... Je les comprends. Vous savez pourquoi je les comprends? Parce que la plupart du temps, les gens connus ont tendance à être avec des gens et de les rabaisser. Donc, eux, ils se disent que tout le monde est comme ça. Mm-hmm. Mais je suis désolée, tout le monde n'est pas comme ça. Ozoa, je ne la connais pas d'aujourd'hui. La maman d'Ozoa, c'est maman Léa Dubois. C'est ma maman. Ouais. C'est comme ça que Ozoa devient automatiquement ma fille, ma petite sœur. Ce n'est pas parce qu'avant, je n'exposais pas Ozoa que Ozoa arrivait hier. Mm-hmm. Ozoa était là quand toutes mes soi-disant amies sont rentrées dans ma vie, venues faire la merde et puis elles sont ressorties. Là. Mm-hmm. Ozoa était là. Du début à la fin. À la fin, ouais. Donc, je ne sais pas de quoi les gens parlent. Mm-hmm. Oui, c'est ta Rupero. C'est quoi qui est Rupero, là? Parce qu'elle est ma petite soeur à côté de moi, donc elle est Rupero comment? J'imagine. En fait, c'est ça, c'est ce que je disais. Les gens ont tendance, en fait, à coller une étiquette sur toi par rapport à ce que d'autres ont fait. Si les autres l'ont fait, pourquoi je devrais le faire? Mm-hmm. Mais la plupart du temps, les Rupero des go là ou bien des gars là, ils sont sales, sales. Ma Ozoa, pourrait vous arrêter, elle? C'est mèche seulement là, ça paye maison des gens. Arrêtez ça. Voilà c'est pourquoi ma petite soeur. Voilà pourquoi c'est ma je l'ai épousée au fait. Ouais. Voilà. Ça a un problème de mèche qu'elle ne porte plus là. Pourquoi monsieur le juge, je suis payé la maison. Oui, mais, monsieur l'avocat. Monsieur le juge. Oui, maître. Je suis stupéfait. Maître Zébeyou, oui. Hein? Mais que le procureur de la République traite la soeur de ma cliente de Rupérette. Donc ça veut dire qu'enfant déjà, c'est un supérette, quoi. Non, je ne l'ai pas traité. Non, je suis désolé. C'est le chef d'accusation que j'ai notifié. Monsieur le juge. Non, il termine. Allez-y. Monsieur le juge. Oui, mais allez-y. Monsieur le juge. Rupérette, là. Ouais. C'est pas famille de Rupérette. Je sais pas, vous me l'apprenez. Rupérette. Donc, comment tu peux traiter enfant? Allez, dis-moi, une Rupérette. Donc, attention, Rupérette, Rupérette. On a reçu des jumeaux tout à l'heure, sinon. Ouais. On n'a pas reçu des jumeaux. Si, si, si. Donc, monsieur le juge. Dites au procureur de la République, on veut des arguments clairs, propres. Parce qu'il y a comme l'impression que, au début de l'émission, je lui ai demandé, moi, Maëma Lolo, là, si tu penses que tu es fort, mais depuis là, il n'y a rien qui sort. Tata, il veut André Azek Africa. Il n'y a rien dans le champion. On veut Bassa Real. Il se déconne. Bon, ok, Yeri,
tu parles, mais vous tu savez... parles pas fort. Il n'y a pas d'argument fort. Allez, Drude là. Drude là, qu'est-ce que c'est laissé, hein. C'est laissé, hein. Tu vas penser. Non, on va lever Drude. Non, pas jusque là, s'il vous plaît. Calmez-vous, calmez-vous. On se calme. C'est le chef d'accusation. Au pire, on vous met sur le ring. Non, là, je coupe vos micros. Voilà. Calmez-vous d'abord. Calmez-vous. Je coupe vos micros d'abord. Toi-même, supérette. Non, calmez-vous. Non, non, calmez-vous, s'il vous plaît. Calmez-vous. Oh non. Sécurité, s'il vous plaît. Sécurité. Ça part en couille. Non, calmez-vous, les gars. Non, s'il vous plaît. Non, doucement, écran là, ça coûtait cher là, doucement. Doucement. Sécurité. Les écrans coûtaient cher là, les gars. Non, c'est bon là. Eh Dieu, ça va. Maître Zébéyou, c'est bon. Non, c'est bon. On va se rasseoir, les gars. Allez. Bon, ce qu'on va faire, les gars, on va se rasseoir, maître, on va se rasseoir. Merci. Calmez-vous, là. Allez, oui, madame la greffière, oui, message. Oui, il y a Paul-Audrey Kwame qui se propose d'être votre opéro si jamais le poste est toujours vacant. Ils sont malades. Mais il n'y a pas opéro, même. Il n'y a pas de opéro qui tient. Moi-même, voilà. Il n'aime pas ça. C'est ça. Allez, oui, monsieur le procureur, allez-y. Excusez-moi, désagrément. Ouais. C'est ce fou-là qui m'énerve. Donc, monsieur le procureur, passez mes lèvres. Non, vous n'êtes pas fou, calmez-vous. Emma Louès, oui. Comment choisis-tu tes amis? Comment est-ce qu'elle choisit? Non, je ne les choisis pas. C'est ça le. En fait, mon gros problème, c'est ça. Et mon père et ma mère me disaient ça tout le temps. Ouais. Tu laisses tout le monde entrer dans ton cercle, en fait. Tu ne te protèges pas. Mm-hmm. Tu es comme ça. Ouais. Après, maman, elle dit tu es là. Tu es trop pour le monde en fait. Tu es ami avec tout le monde. Que tu ne dois pas être ami avec tout le monde. Mm-hmm. Mais avec du recul et avec ce que j'ai pu vivre dans mes différentes amitiés, j'ai compris. Donc maintenant, j'ai balisé. Terminé. Et mais sinon, je ne les choisis pas, en fait. Mm-hmm. Voilà, ça vient tout seul. Voilà, on se rencontre, on cause, on échange, on s'appelle, après on se voit. Voilà, ça va tout seul en fait. Ouais. Je ne calcule pas avec qui je vais être ami ou pas. D'accord. Mais je pense que comme j'ai décidé de faire ça maintenant, mais comme de calculer maintenant les gens qui vont être dans mon entourage. Mm-hmm. Voilà, mais des amis, j'en veux plus. Non, merci. C'est ça. Des amitiés féminines ou masculines même les hommes, c'est pas un souci. Les hommes, c'est pas un souci. Mais les femmes, là, non, merci. Mais le danger aussi avec les amitiés masculines, on ne sait pas lequel de tes amis hommes qui est fan de toi. Ils sont toujours fans, mais il y a une manière de les gérer. Ouais. Lui, il veut, mais tu ne sais pas, au fait, c'est ça. Maintenant. Oui, allez-y, oui. Quel lâche. Un instant, on a quelqu'un en ligne. Allô, bonjour. 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 C'est bonjour. Maître. C'est Maître Yves Videro. Maître Yves Videro. Hey, bébé. Maître Yves Videro, vous nous appelez de quel cours? Je vous appelle de la cour de Montesquieu. D'accord, la cour de Montesquieu, d'accord. Bébé, oui, mon amour. D'accord, mon allez-y. Père. Vous accusez ou vous défendez, maître? Je ne peux pas l'accuser, je suis là pour la défendre. Ah, et d'accord. Je dirais même que je suis peiné de voir ce qui se passe. Dans votre cour. Hein? La bagarre, c'est pas étonnant. Maître Gibléou, Maître Zébéyou, Zébéyou. Zébéyou, vous pouvez pas. J'étais l'avocat qui est à côté. C'est monsieur le procureur. Monsieur le procureur à côté. Le semblant de procureur qui est assis là-bas. Il visait à moi. Hein? Ta voix a changé. Je veux dire que non, je ne suis pas d'accord, hein, Maître Zébéyou là. Ouais. Il faut le chicoter copieusement. C'est compris. Voilà. Merci. Oui, donc je n'accuse pas ma cliente. Ouais. Oui. Je la défends. Voilà. C'est quelqu'un de bien, de gentil. Mais je lui dis toujours, c'est vrai, elle s'appelle Jésus, hein, mais elle a le comportement de Jésus vraiment. Vraiment. Elle aime beaucoup les disciples, elle a beaucoup d'apôtres avec elle. Elle aime se promener avec camarades, elle aime ça même. Ouais. Voilà. Et c'est ce que je lui reproche tout le temps. Oui. Voilà, mais Emma, c'est quelqu'un de gentil, de bien. C'est ça. Et je profite de votre antenne. Emma a dit mon cadeau d'anniversaire là. Non? Oui, c'est quoi le cadeau d'anniversaire? Mon cadeau d'anniversaire que je lui ai demandé, c'est qu'elle se réconcilie avec sa sœur José. Ouais. Ça fait pratiquement un an que je suis sur cette affaire là. Juste un moment même là. On a eu un petit clash, elle et moi, on ne parlait pas à cause de ça. Mm-hmm. Parce que je veux qu'elle se réconcilie avec José. Avec José, c'est ça. Ce sont des icônes, ce sont des exemples pour la jeunesse. Mm-hmm. Ce sont des femmes battantes.
et les jeunes se retrouvent en elle. Ouais. Et pour la jeunesse ivoirienne, pour la jeunesse africaine, il faut qu'on soit tous ensemble, tout ensemble. On peut avoir des griefs, on peut avoir des trucs, mais il faut passer dessus. La vie est courte. Tu es là comme ça, tu te réveilles, on dit rip de lui là. Ouais. Donc, pour éviter de parler au passé, aimons-nous là maintenant, pardonnons-nous. Tout le monde a fait défaut. Emma même qui est là, elle a défaut. Ouais. José a défaut. Mm-hmm. Moi-même, j'ai défaut. Emma, c'est son défaut, c'est pied X. José, c'est grosse. Moi, je suis musclé à France. Donc, vous voyez, mais on doit vivre ensemble. Ouais, ouais. Avec nos défauts, parce qu'on n'est pas parfait. C'est ça. Donc, laissez tout. Je lui ai dit, on ne cherche pas à savoir qui a raison, qui n'a pas raison. Mm. Réconciliez-vous. Vous n'êtes pas obligé d'être les meilleurs amis du monde. Ouais. Mais pour la jeunesse de Côte d'Ivoire, nous, on veut vous voir ensemble. Ensemble, c'est ça. C'est ça. Voilà. Merci. Baby? Oui. Tu as compris mon cœur. Donc, c'est ça. Tu as entendu, non? J'ai entendu. Merci infiniment, maître Evie de la Cour de Montesquieu. Voilà, I love you. Bisous. I love you more, bébé. Love you too. Ok, allez, voilà. Donc, et puis aussi, on a un coucou hein, pour Emma Louest de la part donc, du HH Hassan Hayek. Voilà, bisous HH. Voilà, qui demande donc à votre avocat de rembourser l'argent qui lui a été reversé. En plus, c'est malhonnête. Ça, allez, nous sommes de retour hein, sur les 95.0 www.trace.ci. Gros coucou aux financiers, voilà, le boss des boss, voilà, qui tous les samedis me remet la somme de 100 000 francs afin que je puisse aller consoler donc mon âme et pour le repos donc de mon esprit. Voilà, j'espère qu'aujourd'hui il ne va pas déroger à la règle. Allez, nous sommes en compagnie de la très 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 belle, gentille Jésus et Malolo. Voilà. Nice. Alors, monsieur le procureur, oui. Prochain, il y a tellement d'appels, mais si on veut commencer, on va pas finir. Là, et ce sont plus des appels de à l'inter, hein, voilà. Mais monsieur le procureur, on vous écoute, oui. Autre. J'ai encore une autre question qui me flagelle le dos. Laissez-moi. Allez-y, monsieur le procureur. Laissez-moi travailler dans mon art. Ouais, faites-vous flageller le dos. Allez-y. Emma Louest. Yeah. Nous savons que vous êtes mère. Oui, oui. Garçon. Et on vous voit très discrète dans vos relations amoureuses. Ouais. Maintenant, j'ai une autre question ambivalente qui me taronne encore l'esprit, qui me flagelle le dos. J'ai de savoir. Oui. Père à son âme, feu Didier Arafat. Oui. Ouais. Qu'est-ce qui n'a pas marché dans la relation? Mais pourquoi tu es parti? Bon, en gros, pourquoi la relation s'est flagellée? Parce qu'on ne regardait plus dans la même direction. C'est-à-dire? Je ne sais pas comment, vous expliquer ça. Faut expliquer. À un moment, ça ne matchait plus, au fait. Oui, voilà, c'était devenu difficile. Ouais. C'était devenu difficile mm-hmm. parce que j'avais ma vision des choses, mm-hmm. lui, il avait sa vision des choses et je ne voulais pas aller dans son sens. Mais donc, qu'est-ce qui a causé la cassure, la brisure, la flagellation de la relation? Je pense que c'était ça, au fait. Bon, flagellation, franchement, je ne sais pas. Attends. La seule personne qu'ils ont flagé, c'est Jésus. Ouais. C'est moi. Donc, non, si c'est ça. En fait, ouais. Franchement, c'est ça. En gros, c'est ça, en fait. Global, parce que ouais. Didier, c'est quelqu'un qui est très... Mmh. Il est très autoritaire, en fait. Ouais. Voilà. Ouais. Et moi aussi. Donc, c'était sa cogne. Il y avait des... Voilà, il y avait des feux d'artifice à chaque fois. Ouais. Et voilà, moi, comme je n'accepte pas beaucoup de choses. Donc, c'est d'accord. C'est d'accord. Oui, oui, maître Zébayou, vous disiez comme on a dit. Il est perdu. je suis étonné. Ouais. Comment tu peux employer l'expression flagellation? La seule personne qu'ils ont flagellée, c'est le Seigneur. Donc, flagellé. Voilà. Non, c'est ce qu'il a dit. Hein. Même pas français. C'est ce qu'il a dit. C'était l'avocat, ça. C'est ce qu'il a dit. Hein. Non, ce sont ses propos. Hein. Monsieur le juge, c'est un propos. Je suis désolé. D'accord. Ce sont ses propos. Je lui ramène ses propos. D'accord. Donc, alors, non, moi, monsieur le juge. Oui. Tu sais, normalement, Emma Louest est une très belle femme. C'est cela. Sa vie amoureuse. Vous en êtes amoureux. Oui, c'est-à-dire elle-même. Je demande, vous en êtes amoureux. Qui ça? Emma. Mais ça se voit. Non, c'est que c'est le déclin. Non, mais attends, c'est le déclin. Tu veux que. Attends, tu veux pas qu'on donne mon cachet? D'accord, allez-y. Moi-même, mon salaire, mais je n'ai pas encore reçu. C'est amoureusement, il est parti prendre. C'est dangereux. Et ma Lolo là, t'as dit, il y a 5 millions, 10 millions, j'ai pas l'argent de t'y inviter, truc. Moi-même là, je suis fantastique. Elle boit que du champagne. Voilà. Elle boit que du champagne. Regarde, champagne même que ça là. Ça là, si je paye ça,
D'accord, donc c'est du dangereux. Coup, ça marche. Ok, monsieur le procureur, on poursuit. J'ai encore une autre question. Oui. En ce moment, oui. Qui partage ta vie? Personne. Amoureuse. Je suis célibataire. On parlait d'un jeune Guinéen qui a dit sur les réseaux sociaux, un rappeur, je crois, Guinéen, qui était amoureux à la folie de Emma. Ouais, j'ai vu ça. Il t'a pas écrit en inbox? Mais moi, mon inbox, je lis pas. C'est mes agents qui s'en occupent, mais ils m'ont pas parlé de ça. Mais je sais qu'il a... J'ai vu ça, j'ai même vu ça à ton émission. C'est ça, sur effectivement, Live TV. Ouais. J'ai vu, oui, j'ai vu. D'accord. En tout cas, le mec, il n'en démord pas, il veut véritablement. Il est prêt en plus. Non, moi, c'est pas une soirée d'être prêt, je trouve que c'est. Il est frais en plus. Il est quoi? Frais. Non, j'ai pas fait attention. Franchement, j'ai pas fait attention. Ouais, je suis pas allé regarder ces photos. Les Guinéens, ils sont jolis, c'est vrai. Quand tu vois les pulls, ils sont prêts, c'est beau. Ouais. Mais est-ce que Yaba Poche? C'est la poche qui est. Est-ce qu'il y a ma poche? D'accord. Mais vous parlez beaucoup d'argent. Dites-moi, donnez-moi 10 000 francs, je vais voir. Il est blessé. Un blessé de guerre. Monsieur le juge, comment est-ce que tu penses que l'avocat de Emma Louès, la star interplanétaire, c'est 10 000 francs qui a me manqué? C'est la moindre chose. Sans les 10 000. Mais vraiment, Yeri, c'est pas. Mais Yeri, cette couleur. D'accord. Allez-y, monsieur le procureur. Ensuite, le procureur. Allez, Malouès. Oui. En ce moment, on vous voit. À l'époque, vous étiez un peu fofolle. Oui, oui. Mais en ce moment, on vous voit dans Investi, dans du business. Qu'est-ce qui vous rapporte de l'argent en ce moment et dans quoi vous avez investi? Dans beaucoup de choses. J'ai 7 entreprises. Waouh, bravo. Qui sont? C'est pas trop. Pardon, 17. Applaudissez quand même. Ouais, quand même. On n'a même pas un. Ou bien une entreprise. Oh, on dit 7. Applaudissez. Toi qui es derrière là-bas, applaudis bien. Oui, j'ai bientôt une 8e. D'accord. Alors, donc, oui. Les entreprises sont. Donc, il y a The Magic Spa, qui est le D'accord. spa. Ouais. Qui est dans mon quartier d'ailleurs. Ouais. Voilà. On fait un. Tu es con, Bob. Il y a ma structure de. D'événementiel, Lowe's Event. Ça fait deux. Ouais. Il y a Lowe's Wigs, qui est ma marque. Ça fait trois. De mèche. Ça fait trois. Il y a Lowe's Beauty, qui est ma marque. Et Griot, t'étais. De make-up. Ouais. Ça fait quatre. Il reste trois. Il y a The Magic Slim Tea, qui est ma marque de thé amincissant. Et... Super. Ça cache le ventre aussi. Oui. J'en ai besoin, s'il te plaît. Ça fait cinq. Tiens, s'il te plaît. Ouais. Mais là, je ne sais pas si le procureur en a combien. Yeah. Hein? Ça fait 5. On est à 5, hein? 5 entreprises. Il reste 2. Toi-même, tu souvent, parles, tu as vélo. C'est que souvent, j'oublie. Hein. Il y a mon assistant est là. Il peut. Monsieur l'assistant, on a besoin de vous. Il y a pardon? L'autre, ça production. Fait 6. D'accord. Le 7e. Il y en a tellement. Crush. Ouais. Crush. Non, non. La fondation. Et il y a un truc qui vient bientôt. Ouais. J'espère qu'elles vont vivre bien. C'est qui vient là? D'accord. Voilà, il y a non, gros y a, coucou. Ce que ce sur quoi j'étais hier en conférence. Peut-être c'est Dieu qui fait que tu t'en rappelles pas pour pas que voilà. Pas les que non, je dise voilà, non, c'est mais ça. C'est un gros truc. Quoi, un gros truc, voilà. D'accord. Monsieur donc, le juge, vous, oui. Le procureur, il a combien de sociétés? En attendant, d'abord déjà, j'ai pas oublié les 10 000 francs que vous n'arrivez toujours pas à me remettre. Non. Tu es capable de donner 10 000 à Monsieur le juge et tu me dis combien de sociétés? Je veux pas corrompre la cour, sinon tout à mon portefeuille il est mon blanc. Grand coucou à Stéphanie Moncho qui nous suit depuis Cotonou. Oui, madame la greffière. Oui, du coup, il y a Jacrou qui demandait comment. Jacrou. C'est le nom qui okay, a sauvé. Emma Louès là. Est-ce que toi-même tu as case? Vous avez camarade de quelqu'un. Vous avez construit, il paraît, à Benjerville. Qui ça, moi? J'ai un terrain à Benjerville. Attends, tu loues maison ou tu as payé maison? J'ai un terrain à Benjerville. Quand je prends mon cachet, quand je prends mon salaire, mon procès là, je mets construire ma maison et pas directement. Donc tu n'as pas. Directement. Oui, voilà, c'est le seul procureur et vous. Eh Dieu. Vous dormez où? Moi, je suis en location. Moi, j'assume, c'est pas. Tu es à Bram à côté. Voleur, là. Toi, tu es à Bram à côté. Tu sais pas où tu habites. Moi, je suis à Saint-Viateur, à côté de Emma Lolo. Tu es à Saint-Viateur. Oui. Saint, tu connais Saint? Voilà. Récemment, on t'a vu dans le clip de Yodé et Siro. Le fameux bisou, toi qui s'est bisousté. Oui. Dis-nous,
Qu'est-ce qui s'est réellement passé dans ce bisou? C'était un bisou clipatal? Non, c'est un bisou cinéma. On appelle ça bisou cinéma. Mais il était langoureux, hein, quand non, même. C'est ça qu'on appelle. C'était avec la langue, cinéma, non, d'accord. Justement, c'est un bisou cinéma, donc c'est pas avec la langue. D'accord. C'est avec. Vu la posture. Non, c'est le ralenti. Ok. Voilà. Monsieur le juge. Non, elle explique rapidement. Elle explique rapidement. Ouais. C'est le ralenti qui fait que vous pensez que c'est quelque chose de lent, de langoureux et tout. C'est pour ça qu'on appelle ça un bisou cinéma. D'accord. Tu as compris, non? Oui, comme je suis. Moi, j'aimerais bien tester un bisou cinéma ici avec. Comme je suis acteur de cinéma, vous savez que je suis acteur de cinéma. Ah, tu veux tester quoi? Et ouais. Non, en fait, t'as dit, je vous explique normalement. Ouais. C'est un smash cinématographique. Un smash. C'est pas smash. Non. Non, en fait, tu comprends pas français. Laisse. Mais j'ai dit, attends, j'ai un truc que je comprends pas. T'as dit, le procureur, je sais pas. Tellement il sait qu'il est, je l'ai hypercuté, non? J'ai tellement déséquilibré mon adversaire, il ne veut pas me laisser parler. On n'a pas l'angle ici, on dit okay. Hypercuté. Bon, monsieur. Donc, sur le smack cinématographique, ouais. Vous l'avez déjà essayé avec quelle actrice? Mais plusieurs actrices. Actrice. C'est ce que j'ai dit, actrice. Attends, vous avez quel problème, moi, aujourd'hui? Tu as quel problème? Allez, on va avancer. On va avancer, monsieur le procureur. Oui. Vous avez quel problème, moi, aujourd'hui? Nous continuons. Monsieur le juge, pour terminer, moi je sais que c'était pas un vrai bisou. D'accord. Voilà, c'était quelque chose de très déjà, ouais. Voilà, c'était pas un vrai bisou. Et puis normalement, on a vu le ralenti. Ouais. Voilà, donc Emma Lolo n'a pas embrassé Siro comme les gens le pensent. Vous seriez prêt à faire un smack là maintenant dans cette salle-là à qui? Un smack cinématographique. À voir ça maintenant. Mais à la base même, il est acteur, effectivement. Voilà. On met pas la langue. D'accord. Voilà. C'est les Américains qui font ça. Voilà. Ici, là, on met pas la langue. C'est ça. Voilà. Vas-y, voilà encore. Dis voilà. Okay. Non, monsieur le juge, pour terminer. Il reste combien de chefs d'accusation? Deux. D'accord, rapidement. Ok. Emma Louès. Oui. Est-ce qu'un jour, pour 1 milliard, accepterais-tu de poser nu sur la toile? 1 milliard. De quoi? De francs. Des français. Mais pas francs guinéens. Non, francs CFA ou bien dollars. Francs CFA. Non. Dollars? Dollars, oui. Ouais. Euros aussi, tu prends. Oui. Bon, allô, maître, vous pouvez me faire un dépôt à 1 milliard de dollars, s'il vous plaît. 1 milliard de dollars, ça me va. Prochain milliard. De toute façon, quand tous les jeux sont sexy, je mets mes caches tétons, je mets mes maillots string, là. Il reste quoi? C'est vrai que je sais pas beaucoup de choses, mais bon. Pardon? Quand on a fait la vidéo. T'as dit quoi? Il est malade. Et toi, attention, hein? Oui, monsieur le procureur, dernière question. Oui. Penses-tu être un modèle pour la jeunesse ivoirienne? On va de la jante féminine. C'est pas moi qui devrais le dire. Voilà, je ne vais pas m'auto-proclamer quoi que ce Est-ce soit. Est-ce que tu le penses? Mais non, je pense juste que je suis un modèle pour moi et pour mon fils et pour ma future fille et pour ma Ozoa et pour. Et pour les gens autour de moi, les autres, la jeunesse ivoirienne et autres, je ne cherche même pas à être X ou Y pour eux, en fait. D'accord. Voilà, moi, je fais ce que je pense être bien, ce que je pense être normal, ce que je pense être bénéfique pour moi. Je ne fais pas des choses pour être quelque chose pour quelqu'un. Voilà, donc il ne faut pas qu'ils comptent sur moi pour éduquer les enfants. Parce que souvent, ils les voient, oui, tu n'éduques pas la jeunesse. Éduquez vos enfants à la maison. Vos enfants cherchent quoi sur le net. C'est ça. Aïe. D'accord. Je ne fais pas ça parce que normalement, on m'a payé 5 000 francs pour venir parler ici. C'est même pas ça. Pour on m'a donné 5 millions. Mais Emma Louest même là, elle sait. Elle date, il y a longtemps, ça fait plus de 10 ans, elle, moi, dans ça. À part même long. Ah ouais, c'est qu'on est depuis ça, longtemps. C'est ma, elle-même, souvent, un jour, on a fait une virée nocturne à Poy, à Yopougon, où elle est venue me déposer chez moi au Vallon. Tu te souviens, non? Je me rappelle très bien. C'est ma soeur. Et depuis lors, vous avez acheté une voiture. Et depuis lors, on a fait voilà la partie avec Maury, le Moula. Ouais. Donc, voilà, tu comprends? Donc, Emma, là, si elle vient m'asseoir ici pour défendre Emma Louest, là, il sait qui c'est. Ouais. Dites à l'homme qui est à côté qui a les crêtes, là. Crêteureux. Vous voyez? Vous n'avez pas du supérateur? Dites-lui, il n'a qu'à faire attention prochainement quand il va faire attention, c'est pas en tension. Voilà. C'est attention, pas en tension. Merci toi aussi, le juge. Comme tu veux mettre ton piment aussi dedans aussi. C'est parti. Il ne comprend pas français, mais c'est lui. Merci à vous. Merci à vous. Vous êtes grave. On termine avec monsieur le procureur, votre réquisitoire. Est-ce que vous voulez qu'il y ait condamnation ou juste relaxation? Il va condamner qui? Bien sûr. Qui ça? Condamnation. D'accord. Elle est coupable. Une peine de. Tu me donnes 1 million, c'est pas mauvais. Oh, vraiment, c'est un plaisantin, ce gars-là. Allez, Emma Lolo.
Voilà, il y a une question. Si, est-ce qu'aujourd'hui, pour terminer, est-ce qu'aujourd'hui, une probable ou supposée on va dire réconciliation avec José, on peut y penser, on peut y croire C'est compliqué. Non, parce que c'est moi, complexe. il faut que ça me passe, en fait. Ouais, c'est ça. Voilà. Si d'accord, ça me passe d'accord. pas, je peux pas. D'accord, ça marche. Allez, mot de fin, Emma. Mot de fin, qu'est-ce ouais. que j'ai à dire à la population? Sortez couvert, sortez. Lavez-vous les mains. Je sais pas, ma porte le pour moi. Pourquoi je devrais parler de quoi de Covid ici? Il a dit que Covid est fini. Ouais, ouais. Qu'est-ce que j'ai à leur dire? Je sais pas, mais mes chouchous. Hein. Parle de paix et de réconciliation, comme le pays est chaud. C'est tout, voilà un vrai système. Non, c'est pas un système. Moi, je fais pas votre truc parce qu'on a qu'à dire qu'il est fait. Moi, votre histoire est politique à l'Espagne. Il fait comme s'il ne voit même pas ce qui s'est passé. C'est ça. Si ça doit chauffer, ça va chauffer. Ouais. Voilà. Donc, je sais pas quoi dire à mes doudous parce que c'est comme je disais tantôt, je n'aime pas trop être celle qui veut imposer en fait des choses aux gens. Voilà, je pense qu'il faudrait juste que les gens restent vrais, faudrait qu'ils soient eux-mêmes en fait, parce que c'est tellement dommage qu'on soit en face d'une génération qui part en vrille, en fait, qui passe leur temps à vouloir dénigrer, à vouloir rabaisser. Pourtant, ils pourraient faire mieux, voilà, à être là sur le net, à vouloir... rabaisser. Voilà, au lieu de... Le truc, c'est qu'ils ne retiennent plus aujourd'hui ce qui est important, en fait. Voilà, au lieu de... Parce que je suis désolée, mais tout le monde a des défauts. C'est ça. Mais après, on choisit de regarder ce qui est bien. Et on se dit, de toute façon, il est humain, elle est humaine, et puis bon, elle a le droit de faire des erreurs. Ouais. Mais les gens, ils s'agrippent trop sur ce qui est négatif, en fait, après, pour définir une personne. Et je trouve ça vraiment, vraiment dommage. D'accord. Voilà, et quand je parle de moi, en fait, parce que moi, je les entends, je les vois. Oh, pardon, voilà, bah. Là on est mort. On s'apprête à conclure cette émission là. Mais voilà, d'accord, ok, d'accord. Donc le boss du coupé décalé qui fait son entrée, le boss pour les jours, voilà, Mola. Ça, je sais que tout à l'heure après, on part à la maison directement. Voilà, Maurice comme ça, voilà. Le truc c'est que, d'ailleurs. Je sais pas si vous avez déjà entendu. On dit oui, soyez Maurice. Ben oui, il en a parlé ici. Il a dit oui. Le truc c'est grave. Dès qu'on me voit avec un gars, je sors avec le gars. Les gens me prêtent des relations, mais à n'en pas finir. J'ai busy. Elle se met en slip devant moi. Elle passe. Non, même pas en dessous. C'est mon frère. Moi, j'aimerais bien la voir. Comme apparemment, visiblement, c'est ton gars. Je voulais te faire savoir que deux jours là, depuis qu'on a fait le procès de Eloge ici là, c'est devenu aussi mon gars. Donc, non, pas le Léona. C'est moi qui ai choisi. C'est moi qui ai choisi ce goût. Ah, quand il n'aime pas, il dit il n'aime pas. On est direct. Voilà. Ouais, d'accord. Ne voyez pas quand même. Ouais. Okay, ouais. Non, c'est pour dire que voilà, les gens exagèrent un peu parce que j'estime qu'ils ne connaissent pas réellement la vie des gens. Il faudrait qu'ils arrêtent. Oui, SOAX, SOAY, oui, j'ai busy. Tu as sorti un X. Il a dit. Il faudrait qu'ils comprennent une chose. Je n'ai pas appris à la base à me chercher. Ouais. Mes parents, là, ils ont l'argent. Moi, je connais très bien papa. Voilà. Là, je sais, donc, s'ils ne savent pas, il faut qu'ils sachent en fait d'où je viens. Tonton et moi, je ne suis pas tombée du ciel en mode je me cherche, mes parents ça va pas. Non, mes parents là, ils ont déjà. Et puis j'ai cherché pour moi, puis voilà. Donc arrivé à un moment, j'ai l'impression qu'ils pensent que je suis comme certaines qui sont sorties de nulle part, voilà, qui se cherchent. Tant, voilà. J'aime l'idée de pouvoir me faire de l'argent moi-même en fait. Sinon, c'est pas parce que. Il n'y a pas. Il y a une souffrance. Donc, il faudrait qu'ils comprennent que. Voilà, les histoires de. Comment elle fait pour. Qu'on sort, vraiment. Non, je ne sais pas. En fait, les gens, ils font rire. Ils veulent qu'on n'a qu'à se montrer pour leur donner. Mais vous n'allez pas bien vivre sur le net, en fait. Vous ne connaissez pas la vie des gens. Donc, ne parlez pas. Ouais, alors, il y a aussi Siro qui insiste. Je ne sais pas. Voilà, Siro qui veut. Allô? 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 Voilà, il y a Siro qui veut appeler, je sais pas, pour faire un bisou en direct. Allô? Mon amour! Allô? Ah non, merci. Allô? C'est pas Siro. Allô? Allô? Oui, allô? Ah ouais, c'est lui. Siro, Romy Fontron. Oui, mon amour. on tourne clip quand encore. Ah, vraiment? Parce qu'en fait, là, non, vraiment. Quand tu veux, mon chéri. Dis-toi, frérot.
je me suis rendu compte que je me suis rendu compte que toute la Côte d'Ivoire t'aime. Ouais, c'est ça. Oui. Je me suis rendu compte que toute la Côte d'Ivoire t'aime et je voulais que tu t'orientes plus à aider la jeunesse. Oui. Allô. Oui, oui, je suis là, je suis voilà. là. Voilà. Tu es aujourd'hui toute la jeunesse, toutes les filles qui pensent qu'elles te détestent là. Mm-hmm. En fait, elles ne te détestent pas, elles sont en vie. Ouais. Et avec le bisou du clip, même, j'ai passé partout, on m'arrête. Hein. Mm-hmm. Pourquoi tu as embrassé Emma? Pourquoi tu as embrassé Emma? Je me suis rendu compte que toute la Côte d'Ivoire t'aimait. Je voulais que tu t'orientes plus à guider notre jeunesse, à sauver nos teenagers. Mm-hmm. Parce que pour eux, tu es un modèle. Mm-hmm. Il faut montrer à cette jeunesse que tu n'es pas un modèle de par ta beauté, mais tu es un modèle de par ton cœur et de par tes actes. Parce que je sais que tu fais beaucoup de choses dans le noir. Oui. Je te connais depuis plus de 20 ans maintenant, je sais mm-hmm. qui tu es. Et oui. Je veux que tu t'orientes à guider cette jeunesse. Et toujours, je te le dis, il faut insister, tu pourras. Parce que notre jeunesse a besoin aujourd'hui d'une torche. Mm-hmm. Et tu peux être cette torche-là. Ouais. Donc, c'est ce que je voulais te dire. Je te fais gros bisous sur la joue, presque glacée. Merci, Siro. Willy est ta tête chauve, là. C'est jaloux. Il y a bien envie de dire jumeau, mais bon, comme tu restes mon grand frère, donc allez. Donc, rendez-vous pour le concert, c'est prévu déjà pour très vite, Tesla. Pour le 10. Le 10, c'est ça. Ouais. 10 octobre, d'accord, ça marche. Voilà, okay, il y a aussi un coucou de la part de Mola, voilà, qui est là. Voilà. Il dit qu'il ne peut jamais faire le coucou. Faut dire à Moriel, ses pantalons plaqués, là. Moriel, ses pantalons plaqués. D'accord, merci infiniment. Allez, très belle après. Okay. Allez, la famille, on va se dire au revoir. Merci infiniment d'être resté encore jusqu'à. On a excédé, 16 minutes, mais ça en valait le coup. On va laisser donc le choix au vrai juge, voilà, Mola, de donner donc la sentence. Oui, pardon, elle est relaxée ou elle est condamnée? Elle est relaxée. Ça pourquoi? Ça que c'est aïe. Bon, c'est pas palable. Bon, donc oui, elle est relaxée. Et puis les gens qui la détestent, vous savez, vous pouvez apprendre à connaître les gens. Voyez-les dans la rue, essayez de leur parler, essayez de dire bonjour, demandez une photo à Emma, vous allez savoir qui elle est. Et donc c'est notre petit garçon manqué de la famille, mais elle fait la diva des fois. Elle fait même pas la diva, elle fait pas exprès. Elle est naturelle, elle est nature. Prenez-la comme ça. Et puis elle ne voulait pas passer le message de paix, mais elle souhaite la paix. Donc, paix en Côte d'Ivoire, paix et cohésion sociale. Elle sait où elle va porter ses habits ici à la guerre. Elle va porter chez toi à la maison. D'accord. Donc, belle prestation du procureur, de l'avocat, de la greffière tatouée et vue de l'espace. Et puis, rendez-vous très vite pour la primude. Voilà, la primude. Voilà. Moi, cette année pour. Avec notre animatrice qui est en face de vous. Effectivement. Ah, voilà. Une de nos animatrices. Super. Voilà. C'est voilà. La leader, voilà, c'est bien dit. Allez, on est bien.